ceux qui veulent, ils le peuvent. Ce sera bientôt le roi des pirates, le plus puissant sur la carte de Black Sword. Les amis, bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo sur Bloxfruit. Aujourd'hui, les amis, Bloxfruit, il nous régale en balle. Après le fruit du Kitsune, les gars, le fruit du T-Rex est arrivé. Un nouveau fruit incroyable, les gars. Là, en ce moment, ils nous mettent que des fruits de transformation Zoan, les gars. On devient des animaux, c'est... Bloxfruit, c'est devenu un zoo, c'est incroyable. Et les amis, aujourd'hui, on va le tester, bien évidemment. Est-ce qu'il est aussi incroyable que le mammouth et le Kitsune, les gars? Surtout qu'il y a le dragon qui est en progrès, les gars. C'est-à-dire qu'ils sont en train de le rework, ils sont en train de bosser dessus. Là les gars, ils nous mettent trop bien les gars pour la mise à jour de Noël. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé des super fêtes. Moi ça a été incroyable. Voilà, c'est pour ça que j'arrive que aujourd'hui les gars, c'est parce que bah, vous connaissez, on reste longtemps en famille et du coup j'ai pas pu sortir une vidéo sur le T-Rex dès qu'il est sorti. Là je viens de rentrer et j'ai envie de découvrir ça les gars. Mais avant toute chose, bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle. Et oui, on rush les 200 000 abonnés et j'ai confiance en vous pour le faire. Et oui. Bon alors allons voir ça. Bloxfruit Dealer, mon petit pote. Combien coûte le fruit du T-Rex? C'est ça la question. Est-ce que déjà ok, ouais, au moins il est pas après le Kitsune. Parce que je me suis dit, le Kitsune il était à 4000 quand même. Et là on voit le dragon qui est in progress, les gars. Ils sont en train de bosser dessus, ils sont très déter. Et où est le T-Rex? Il est là, les gars. Il est là en rupture de stock, évidemment. Mais on peut l'acheter avec 2350 Robux. Et ça fait encore un petit trou dans le portefeuille. Mais c'est pas grave, les gars. C'est quand même le fruit du T-Rex. Ok, c'est équipé, les gars. On va pouvoir découvrir ça ensemble. Ah ouais, mais c'est stylé. Du coup, on a la queue du T-Rex. Ah ouais, ça c'est pas mal, les gars. Et il y a un compteur de furie, du coup, comme pour le dragon. Mais attendez, mais pourquoi il y a autant de gens autour de moi là? Ils sont choqués de voir le T-Rex ou quoi? J'ai laissé ma queue de T-Rex tranquille. Oh là là, oh là là, oui d'accord, ok d'accord. Oui bah pardon, non mais pardon. Ok, désolé, désolé, autant pour moi. Bon, ok, ils sont tous mis sur moi. Et bah au moins comme ça, ils m'embêteront plus. Allez c'est bon, les gars, je sais pas, je me suis fait raqueter par 6 mecs là. Je sais pas ce qu'ils m'ont voulu. Moi je veux juste aller tester mon fruit en tranquille. Cassez-vous, vous dégagez maintenant. Vous dégagez, vous êtes trop dérageux. Hop, moi j'ai envie de découvrir, mais attendez, c'est vrai qu'il faut que je remette mes stats aussi. Et oui, un petit remboursement. On met les stats dans le fruit. Hop, allez, on met tout dans le fruit, c'est nickel. Merci beaucoup. La défense, évidemment, et on va finir par la mêlée. Hop, parfait, nickel. Et là, voyons voir du coup combien de dégâts fait cette attaque. Bon, ok, mais eux, ils vont être super chiants, les gars. Je vais changer de serveur, ils vont être relous. Ok, c'est bon, on est back to back. On doit quand même découvrir ça, les gars, le tail swipe. Donc, normalement, si on en décrit ce que ça veut dire en anglais, c'est un petit coup de queue, normalement. Un coup de queue de T-Rex, voyons voir, tail swap, on s'arme, et boum. Ok, 2700, petite attaque vénère, c'est ok. Première attaque, c'est normal, ça passe. 2700, c'est quand même vénère, hein. Tail swipe, hop là, boum. Et il y a un petit effet de croc de T-Rex, je crois. Attendez, on va circuler pour voir ça un petit peu mieux. Mais normalement, il y a une petite animation de croc de T-Rex et boum, ouais, des crocs qui partent. Ok. Et bah, donne-moi mes maîtrises, mon pote. Parce qu'après, on a le Predatory Screech, Hunter's Rage, Reptilian Scales et le Gigantic Leap. Ok. Et bah, les gars, il nous reste pas mal de trucs à voir. Attendez, il va falloir qu'on prenne nos maîtrises. Parce que maîtrise 50, on a déjà le Predatory Screech. Ça va être pas mal. Je pense que ça va ressembler un petit peu au fruit du mammouth. Au niveau des déplacements et tout, je pense que le Gigantic Leap, ça va être un truc pour foncer un petit peu tout droit. Je pense que c'est ça, les gars. Après, peut-être que je me trompe, on va le découvrir. Oh, y a pas les frérots de la marine à tabasser par ici, normalement. Et bah voilà, quand on demande, ils arrivent. Hop, on va les commencer comme ça. Hop, tiens, mon pote. Et on va les finir avec un tail swap, moi je te le dis. Hop là, boum. Qui veut son tail swap? Bam! Voilà, merci beaucoup. New skill available. Le Predatory Screech. Qu'est-ce que ça fait, ça, mon pote? Attendez, y a pas Fujitora par là-bas? Faritas. Et il a pas l'air d'être là, non? Il est pas dispo. Et bah écoute, c'est toi, mon pote, qui va te prendre le Predatory Screech. Oh! Ok, attendez. 4100 l'attaque quand même, 4100. Ça fait beaucoup, attendez. Tu vas te calmer déjà, hop là mon pote, bah ouais. Oh! Oh, y'a un clic. Attendez, what? Ok, attendez, j'avais pas vu, y'a un clic aussi, mais c'est super vénère ça les gars. Ok, ça fait du 629 le clic. Ok, et on s'avance. Ok, d'accord, ah ouais, non, c'est vénère. Oh là 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 là. Ah ouais. Mais du coup, c'est un mélange entre, ouais, le mammouth et le kitsune en fait. On a le clic du kitsune avec un petit peu les attaques du mammouth dans le délire. C'est plutôt pas mal les gars. Le flow de ouf. Ça fait des petites griffes vertes et tout. Ouais, non, vraiment, c'est un style très très vénère. Mais attendez, il faut que quand même que je vois ce que c'est le Predatory Screech là. On va le refaire. Ok, on l'aspire. Et boum, on l'expire. Et ça fait du 5000 de dégâts les gars, ça c'est pas mal. 5000 de dégâts pour un X les gars, pour une deuxième attaque, ça c'est vénère. Et du coup attendez, mais ça marche sur les groupes? Attendez, venez voir par ici vous là. Predatory Screech, est-ce que ça marche sur les deux? Oui, ça marche sur les deux. On les chope et boum, on les expulse. Nickel, 9999 quand même. Ça pas mal, ça met de le beurre dans les épinards. Ah ouais, non mais les gars, c'est trop puissant. Predatory Screech plus Tail Swap là, on les défonce en 2-2. Ah ouais, là 5000, plus on augmente de maîtrise, ouais là on est vraiment aux 5000, c'est parfait. Nickel. Et ben on va aller au moins jusqu'à
la Hunter's Rage, les gars, maîtrise 100, on va les défoncer en balle pour avoir quand même la maîtrise numéro 100, les gars, l'attaque C, la Hunter's Rage, ça peut être pas mal aussi. Ça promet, les gars, je vous le dis, ça promet, elle est plus que 5 petites maîtrises. Boum. Je peux pas l'aspirer d'ici. Non. Oh, mais ça expire quand même. Il prend quand même 4000 d'expiration. Hop là, boum. Haleine de T-Rex dégueulasse, nickel, maîtrise 100, la Hunter's Rage. Ok, donc ça fait quoi? Ok, là, on arme. Oh, c'est stylé. On a les petites claws là, les petites griffes, c'est bien vénère. Voyons voir du coup ce que ça fait sur lui là-bas. Oh, ok, donc c'est une sorte de petite dash bien énervée. Hop là. C'est une attaque à 4000, il me semble. Est-ce que du coup, ok, non mais vraiment, par contre, c'est trop stylé. Quand on charge l'attaque là, les petits effets de light, c'est vraiment vénère. Et boum, 3200 pour un petit C, c'est pas mal. J'ai quand même envie de voir ce que ça donne d'un peu plus loin là, l'attaque là. C'est juste un dash en fait. L'attaque c'est juste un dash vénère, d'accord. Et bah écoute, mon pote, ravi de t'avoir rencontré. Les amis, maintenant ça va être l'heure d'aller à la C3. Et oui, on va aller voir nos chers petits cookie crafters pour les farm et les défoncer pour qu'on obtienne le gigantic leap et les reptilian scales. Et bah oui, là je pense que maîtrise 300, ça va être la transformation. En plus, on a le compteur de furie au max. Et il va se réinitialiser normalement dans la C3. Et allez, c'est parti, capitaine, emmenez-moi là-bas. Allez hop, bon là pour le coup, je prends vite fait le fruit du portail. Faut qu'on s'y rende vite. Et en avant, à la terre de gâteau. Merci beaucoup. Oh là là, le fruit du tir. Non, il est vraiment quand même trop stylé. J'ai hâte de voir la transformation, les gars, même si je me suis fait un petit peu spoil par YouTube. Voilà. Vu que j'arrive en retard, je me suis fait un peu spoil. Mais là, au moins, là, on a des dégâts à faire, les gars. On doit quand même tabasser les cookie crafters. Allez, venez par là, les frérots. En plus, je pense qu'on a pas mal d'attaques de groupe, en vrai de vrai. Là, la Hunter's Rage, je sais pas si ça marche sur tous. Attendez, bah, vous savez quoi? De toute façon, on va tester. C'est quand même des cobayes, les cookie crafters. Voyons voir la Hunter's Rage. Ok, ça marche un petit peu sur tout le monde, d'accord. Non, c'est bien vénère. Le Tail Swap, j'imagine que ça marche aussi sur tout le monde. Et oui, voilà, petit 20 000. Et bien évidemment, le Predatory Screech. On les attire tous dans l'ombre et boum! Moins 35 000 à tous. Et bah, ça fait plaisir, ça, par contre. Boum! On est en train de tous les défoncer. Allez, venez là. Donnez-moi mes petites maîtrises, les gars. Qu'on aille à maîtrise 200 quand même, faut pas déconner. Predatory Screech et boum! Merci, les frérots, ça fait plaisir. Hop là, tiens, au cas où il en restait. Hop là, petit Tail Swap. Et la Hunter's Rage pour toi, mon pote. Et oui! Mais attendez, je crois que la Hunter's Rage, là, ça, le petit dash, c'est, je crois que c'est plutôt vénère et qu'il y a une tête de dino en fait quand on rush devant. Attendez, il faut qu'on regarde ça. Au niveau du design, est-ce qu'il y a la tête de dino? Eh oui, il y a la petite tête de dino, il y a les petites cornes et tout, j'arrive à voir. Non mais oui, il faut se pencher dessus quand même. C'est des détails de designer, c'est pas mal. Il y a des mecs qui sont embêtés à animer tout ça, faut les respecter. Allez, venez par ici vous, on doit aller à la maîtrise de 100 et plus vite que ça, fisse ça les frérots. Hop là, des coups de griffe à tous, hop là, c'est parfait, merci beaucoup. Oh, on peut les prendre en groupe, en plus en clic, c'est pas mal. On peut les défoncer facilement. Par contre, ouais, le seul problème c'est qu'avec ce fruit du coup, il s'éparpille un petit peu. On va les coincer dans un coin, moi je vais te dire. Hop là, boum. Donnez-moi mes maîtrises, je suis assoiffé. Fait le sang. Vous êtes foutus, les gars, foutus. Je vous le dis, allez. Boum. Predatory Screech. Et l'Hunter's Rage, c'est dans vos races. Boum. C'est où les méchants, il en reste? Oh, bah là, il y a un survivant ici. Hop là, bah, il y en a plus. J'ai très hâte de voir ce que c'est le gigantic leap, là. Ça va peut-être nous permettre de nous déplacer, ça va être pas mal. Un peu plus rapidement, quoi. Vous voyez, un T-Rex, normalement, ça court vite, un T-Rex. Allez, tout le monde ramène sa fraise, là, on en a peu fini. Revenez. Ils sont tous partis, je sais pas où, là. C'est dur. En fait, c'est dur au niveau des attaques de groupe, c'est que ça les disperse beaucoup. Donc, c'est pas pratique, cette histoire. Hop, allez, venez par là. Et boum, on les défense, voilà, ça fait plaisir. Hop là, Tail Swap dans ce sens-là. Ça a touché personne, j'ai un peu le seum. Et boum, le rush. Bon, allez, cette fois-ci, vas-y. Pas de quartier, on a assez traîné. Boum, on les défonce un par un. Allez, venez là, c'est pas grave, ça va bien se passer. Boum, Tail Swap, boum, ça les touche pas. Le Tail Swap, il marche pas toujours. Je veux mon compteur de furie, allez. Je veux la maîtrise 300, allez. On fait peut-être la 200 déjà avant, au moins. Minimum requis, minimum. Allez, maîtrise 180, on y est bientôt, les gars. Oh là là, ça va être stylé, j'ai trop hâte de voir la transformation. Tail Swipe Predatory Screech, boom. Allez, merci beaucoup, new skill available. Les amis, le gigantic leap, maîtrise de sang est enfin là. Voyons voir ce que ça fait à vide. C'est ok, d'accord. Ah ouais, là, on prépare une attaque. Là, c'est pas juste un petit dash ou quoi. Là, on prépare une attaque et ça fait... Oh, ah ouais, on a pété le sol là quand même. Ok, donc ça, les gars, ça va encore plus éparpiller les ennemis. Laissez tomber. Le gigantic leap, ok, donc ça va être un maxi saut de la mort. Boom. Ok, j'imagine que plus on le charge, plus on saute haut, non? En vrai de vrai, ça a l'air d'être ça parce que si juste je clique, là, imaginons je clique comme ça, ça fait un tout petit saut et c'est très vénère. Mais si on laisse tourner, attendez, voyons voir. Imaginons qu'on aille au centre comme ça, on laisse l'attaque se charger un petit peu et boum. Et non, en fait, ça change rien, d'accord. Attendez, on va voir combien elle fait de dégâts cette attaque, c'est ça la question. Gigantic leap sur toi, mon pote, boum, 3000. Ok, 3000 d'attaque, c'est parfait. Et ça, par contre, sur un groupe, ça doit être assez vénère. Allez, venez là, les frères, voyons voir ça. Gigantic leap.
Oh là 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 là, c'est vénère. Je les ai tous soulevés. Ok, ça fait une petite attaque sympa en plus pour tous les défoncer. C'est parfait. Gigantic Leap, boum, on peut tous les enchaîner. Bon là j'ai raté, mais bon. Bah qu'est-ce que tu fais là, toi? Retourne avec les copains, toi. Bah alors, allez, va là-bas. Gigantic Leap, boum. On les a presque tous défoncés. Nickel! Eh bien les amis, maintenant il va nous falloir rush jusqu'à la maîtrise 300 pour obtenir les Reptilian Scales. Et oui les gars, la transformation du T-Rex. Là ça va être vénère. Mais déjà c'est stylé un petit peu qu'ils rajoutent des petits accessoires comme ça. Là on a la queue du T-Rex et tout quand on a le fruit. C'était pareil avec le Kitsune, on avait les queues évolutives les gars. Ça c'était bien bien stylé. Et là les gars, là on a la petite queue de T-Rex, de dinosaure, c'est vraiment pas mal. Ils font du taf quand même. Au niveau du design et tout, ils font du taf. Et c'est pour ça que je suis très très curieux d'avoir le dragon en rework, les gars. Je pense qu'ils vont nous faire un truc sucré. Ça va être génial. Mais là, il va falloir que je farme tous ces gentils petits cookie crafters pour avoir le Reptilian Scale. Donc on se retrouve dans quelques instants quand j'aurai défoncé tous ces petits osios. A tout de suite. Et c'est bon, les amis, on a atteint la maîtrise 299 juste avant les Reptilian Scale. Et les gars, c'est parfait. On va juste en défoncer un dernier, un cookie crafter. Le frérot, il a rien demandé, mais on le défonce en 2-2. C'est assez simple en vrai. Le clic, les gars, ça rajoute tellement un truc au fruit. C'est tellement parfait pour farm. Hop, là il va peut-être m'en falloir un dernier. Bah tiens, c'est toi mon pote, tu seras l'heureux élu. C'est toi qui vas m'apporter les Reptilian Scales. Il est où? Reviens. Gigantic Leap, viens là. Et boum, c'est bon les amis, new skill available. On a le compteur de furie au max en plus. Les Reptilian Scales, c'est parti. Voyons voir la transformation. Oh là là, c'est incroyable les gars. Et ça fait des dégâts en plus quand on se transforme. Mais oh là là, mais regardez-moi ça. Mais what? Mais attendez, il a un petit logo dino, il prend encore des dégâts. Ok, c'était bien bien stylé ça. Ok, on a le petit dash du coup qui est vraiment stylé. Oh, ok, le déplacement est lourd. Maintenant, on va revoir toutes les petites attaques avec la transformation du dino. Mais regardez-moi ça. C'est ouf, le style, il est incroyable les gars. Oui, on est toujours sur Bloxfruit, c'est un délire. Donc voyons voir, attendez, le tail swap. Voyons voir, ok, donc on s'arme comme ça et boum. Ah ouais, c'est très vénère. Et on a réussi à le toucher de super loin et il prend des dégâts en plus. Ça prend des dégâts en plus quand on les attaque comme ça. Mais c'est énervé. Attendez, le tail swap, on va l'essayer comme ça directement. Et boum. Ok, il prend du coup, au final, tu vas prendre combien de dégâts mon pote? J'ai pas réussi à voir. Attends, reviens. Ok, donc là on est sur du 4500. Enfin du 3500, c'est pas mal quand même. En vrai de vrai. Maintenant, le Predatory Screech, voyons voir, on le chope quand même. Et on le répulse. Et ça fait du 5700. Ça va arriver au 6000. Ouais, on peut dire du 6000, quasiment. Quasiment du 6000, les gars, c'est parfait. Oh, et on a The Present Event Will Start dans 5 minutes. Ok, d'accord, il y a un petit event pour quand même la mise à jour de Noël. On va quand même aller voir ça après. Mais juste avant, attendez, je veux voir la Hunter's Rage. Hunter's Rage qui est le maxi dash de fou. Ok, donc là, ah ouais, ok, donc là, c'est un peu moins de portée. Mais on croque dur. Ok, ça croque dur le Hunter's Rage. Voyons voir combien de dégâts ça fait. Sur toi, mon pote, t'as rien demandé. Hunter's Rage, on va te croquer et. Oh là là, ah ouais, on le chope. Ah ouais, mais c'est incroyable. Ah, et ça lui fait des dégâts en plus. Quand il est par terre, d'accord, 3700, ça fait 4000. Ah, 4000 tout pile, les gars, 4000 tout pile. Mais c'est trop stylé, l'animation, elle est incroyable. Attendez, Hunter's Rage, regardez, on le chope et on le croque et boum, oh là là, on le défonce par terre en plus. Mais c'est incroyable. Bon, des fois, ils prennent des dégâts supplémentaires, des fois, ils en prennent pas, je sais pas trop comment ça marche. Par contre, le clic, du coup, il est abusé. Le clic est vraiment supra vénère. Oh, ça met des dégâts en plus, c'est parfait, ça fait... Oh là là, par contre, laissez-moi tranquille. Par contre, il est assez lent, en vrai, comparé au Kitsune, au Mammouth, je crois qu'il est assez lent à se déplacer. Mais les attaques sont très vénères. Déjà, le clic, on avait 600 par clic tout à l'heure, là, ça a augmenté un petit peu à 700. Et là, ça fait quand même, ouais, non, du 1000, 1300, parce qu'il prend des dégâts supplémentaires, 1700, 1000... Ouais, quasi 2000. Quasi 2000 en un seul clic, les gars. Pour ça que si tu l'enchaînes comme ça, là, il prend très très cher. Ça prend tarif, là. Mais les gars, maintenant, on va voir quand même le Gigantic Leap, le petit saut. Voyons voir. Oh là là. Ah ouais, là, on explose tout autour de nous. Là, c'est parfait. C'est super vénère. Ça fait un énorme trou dans le sol avec du feu et boum. Et voyons voir la portée. Ah ouais, la portée, elle est super vénère. Surtout pour le petit endroit Cookie Crafters et boum. On les défonce. C'est incroyable. Oh, le Gigantic Leap, non, il est vraiment super vénère. Ça fait sortir du feu et tout du sol. C'est pas mal stylé tout ça. Attends, du coup, je vais quand même faire le test parce que je l'avais pas fait l'autre fois avec le Kitsune. Mais est-ce qu'on peut aller dans l'eau? C'est la question. Est-ce qu'on va dans l'eau ou pas? Non, on perd de la vie. On court pas sur l'eau comme le Kitsune, c'est bien dommage. Wouh! Alors, par contre, elle est où l'île des events là? Ça doit être là-bas normalement. Ah ouais, je la vois, je crois que c'est là-bas. Allons-y, en avant! Non, j'ai tout cassé, pardon, excusez-moi. Oh, j'ai cassé cet arbre de zinzin. Je vais aller à l'endroit des cadeaux. Normalement, c'est par là-bas. Ok, normalement, c'est par ici. Il y a un petit décompte. Et oui, 1 minute. 1 minute 46. Est-ce qu'on va avoir le droit à un petit cadeau? Un fruit de fou, peut-être, avec un peu de chance. Oh là là, non, le tir.
T-Rex, il est tellement stylé. Oi, 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 oi. Oh, ça m'a détransformé. Ah oui, mon compteur de furie, il est retombé à zéro. C'est vrai que du coup, on l'a pas en illimité. C'est un peu dommage, mais bon, en même temps, ça serait un peu cheaté. Allez, 1 minute 23 avant d'avoir des petits cadeaux. Espérons avoir des trucs cool quand même pour terminer cette vidéo en beauté. Ok, ça commence. Il faut qu'on soit dans le cercle vert. Combien de secondes? Starting maintenant. Oh, c'est bon, le gros cadeau. Est-ce qu'on a le droit à quelque chose d'incroyable? C'est nous le cadeau, les gars, c'est nous. Allez, donne-nous un truc de fou. Oh, c'est un cadeau. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Ouvrons le petit cadeau. Voyons voir ce qu'on a. Et le fruit du caoutchouc. Ok, bon, bah, même là, on n'a pas trop de chance, les gars. Même là, on n'a pas de bol. C'est pas grave, les amis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Dites-moi, évidemment, en commentaire, combien vous notez sur 10 le fruit du T-Rex. Moi, je le trouve incroyable. En vrai, je lui mets un bon 8. Voilà, c'est pas non plus un 10 parce qu'il y a le Kitsune, les gars, qui a 12 sur 10. Ça, c'est une dinguerie. Après, le Kitsune, c'est difficile de faire mieux. Mais au niveau du style et tout ça, les gars, 8 sur 10, c'est parfait pour le T-Rex, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche, likez en balle. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut !